Reviens, 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 Frinky, Frinky! Ah ouais, mais préviens. Putain, il m'avait fait une passe grotesque. Pouf! C'est moi le mal dominant. C'est moi le patron, les gars, sur le chat, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur l'arbitre? Qu'est-ce qu'il y a? Oh. Ça, c'est ce qu'on appelle quoi? Le karma. Moi, je vais me prendre un carton par le coach. Et on va faire un concept. À chaque sub, je suis obligé de casser une cheville. Tiens, là, elle est pour toi, celle-là. Et franchement, t'en as un petit bonus, oh. Putain, si j'arrive à en mettre une d'ici en lucarne opposée, ça peut être joli. La dernière fois que j'ai fait ça, j'ai pris un jaune. Le maillot, reste tranquille, tu l'auras à la fin du match. Voilà, reste tranquille, mon grand. Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Frérot, tu veux mon maillot? T'attends la fin du match, frérot. Tes dernières prestations ont vraiment été décevantes. Et frérot, je t'ai mis un doublé en Champions League. Rectifie le tir, mais toi rectifie le tir, frérot, je suis en coulisses pour les ballons d'or. Il va me mettre des ballons d'or dans les roues, ce chien. Simulé, je joue même pas le match. Suspendu. Ah bah oui, c'est vrai, j'ai pris un rouge. Excusez-moi les gars, c'est pour ça en fait. Oui, j'ai pris un rouge. On est con. Enfin, je suis con. Bien vu, Outlay. Ah bah là, Lucky coupe, Pulisic. Putain, De Jong, il est à 91. Avertz, 91. Pulisic, 88. James, 88. Hein. Putain, De Jong, 91 encore. Hein. On dirait pas. Hein. Il est tout lent. Tiens. Ta gueule. Let's go! Excusez-moi, les gars. Je célèbre la défaite, mais c'est parce que. Au moins, ça va nous faire passer pour un héros quand on va revenir et qu'on va carry. C'est le football. C'est la jungle. Ah, attends, c'est Didier là? Ouais, mais là, c'est bon, tranquille, la coupe. L'équipe de France. Prêt? Oh putain les gars, j'ai cru qu'ils allaient me prêter, dommage. Esprit d'équipe. Ah non non non, Outlay, ici c'est pas esprit d'équipe hein. Non 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 non, ici on a mis les choses sur la table, t'inquiète pas. Ici c'est ballon d'or ou rien, on s'en bat les couilles hein. Nous ici c'est stats individuelles frérot. On est là pour la frime, c'est tout. On veut acheter la villa, le yacht. Et après tranquille, on fait la fête. Nous on veut faire une carrière un peu comme Neymar nous. Tout pour la télé. Demande à partir du club. Je peux pas les gars, sinon ça va me niquer mon ballon d'or. Apparemment. Oh, je suis titulaire. On est titulaire en équipe de France. Ah, Mbappé, il est toujours là. 95 Mbappé, les gars. Fuck you. Hernandez, 90, Ménian. Wouah, regarde l'équipe de France. Oh. Eh, vas-y, je me focus dans le match. Vous prenez trop la conf, c'est ça votre problème, les gars. Je suis en équipe de France, vous lâchez des griffes. En plus, je suis titulaire. Je suis obligé de tacler là, les subs ou pas? On fait ça à Chelsea, non? Là, c'est l'équipe de France, hein. J'ai pas envie de me faire virer du club, moi. Oh, attention, Mathéo! Kanté, non, je crois pas, justement, c'est pas lui. Je pense qu'il a la retraite, Kanté, Vassin. Ah, c'est peut-être Diaby. Diaby, je pense qu'il joue encore. Il y a moyen, c'est Diaby, je pense. En plus, il a les chaussures. Comme... Ouais, si, c'est Diaby, c'est sûr, à droite. Oh! Mais ça c'est rouge ça hein. Frérot, ça c'est pas rouge ça. Envoie. Joue vite. Ouais, c'est bon, vas-y, je tacle aussi moi. Faut en SBC en objectif là. Oh lui il est claqué hein. Kiki ? Excusez-moi les gars, si je veux mon ballon d'or, faut pas que je mette trop de balles à Kiki, j'ai fait exprès de la rater celle-là. Pas fou l'artiste quand même. Oh, si. Ouais c'est Diaby, c'est sûr, il a fait du gauche. Putain mais c'est qui lui, Christensen ?
Oh, le but de merde. Désolé les gars, j'assure, hein. Équipe de France, je suis pas là pour faire des gris-gris, hein. J'assure, hein. Par contre, je vous jure que le niveau, c'est bizarre, on dirait qu'il est plus élevé. C'est possible. Wouah. On voit. Oh, le tryhard. Oh, les gars, le niveau, il est plus élevé, hein, je vous jure, hein. Je l'avais ressenti déjà, la Coupe du Monde. Ça doit être ça. Non, mais il y a moyen. Vu que c'est l'équipe de France, t'as vu, ils montent un petit peu le niveau. En vrai, ce serait crédible. Bon, c'est cool. Par contre, j'avoue que, putain, pour s'amuser... Regarde. Je vous jure, les gars, il faut tryhard de fou. On est en train de se prendre une foudre. Mais c'est pas possible. Mais Mike, qu'est-ce qu'il fait? Oh. Hein, vous me dites, je sais pas quoi, c'est ça. Et c'est Christensen, hein, qui a tiré, hein. Défenseur central, hein. Non, je suis sûr que le niveau est le plus élevé. Mais ce serait logique. Bon, on passe aux choses sérieuses. Un petit coup de water drop. Et on explose. Allez, joue. Kiki, ça va être à nous de jouer. Hein. Kiki. Oh. Oui, Kiki. Fais la carte. Oui. Voilà, mon petit. Allez, tranquille. On les mange. Wesh. Allez, frérot, fantôme, on peut devoir aller taper. Wesh. Oh, Diaby, il sort. Oh non, il jouait bien en plus. Oh, ils se sont mis en ultra offensif, les Danois. Oh, mais attends, mais c'est quoi, ces malades? Vas-y, venez. C'est bon, frérot, là. Wouah. Allez, Mathéo, bien joué, Mathéo. Tu m'as vu? Oh, Kiki, applique, s'il te plaît. Fais exprès, là. Allez, ensemble. Allez. Tranquille, j'assure. Allez, les gars. Triplé, hein. Triplé, les frères. Attention, Olivier Giroud, j'arrive. Les frères, ils sont trop forts en attaque. Allez, joue, Mike. Oh, wesh. Oh, la différence est faite. Oh, c'est pas possible. Encore, joue. Joue. J'ai tout donné, hein, j'ai fait le max, hein. Triplé quand même, on sait bien, on marque des points pour le Ballon d'Or, mais... Oh, les gars, on s'est fait taper, oh, par le Danemark. Eh, les stats, ils nous ont tapé, hein. On a un peu plus de tirs, mais ça, c'est moi qui force un peu. En vrai, ça passe, on était premier avec plein de points d'avance, mais... Wesh, bonne équipe Danemark, ouais. Oh, je suis plus titulaire. Frérot, j'ai deux, tain, je me donne à fond, je mets un triplé, Didier, flat, directement plus titulaire, oh. Là, c'est Mike Maignan qui devrait plus être titulaire. C'est honteux. Pensez qu'il me remet titulaire ou pas? Parce que là, il écrit titulaire, hein. Je sais pas si c'est un bug d'affichage ou pas. Oh, jour de paye. 15 000, 30 000, ok. Là, on a perdu 15 000 aussi. Là, on a gagné. Ouh, les gars, ça met bien. Dans 10 millions, j'ai le yacht. Dans 10 millions, on a le yacht. Je pense que je l'aurai pour le Ballon d'Or. Pour le Ballon d'Or, les gars, j'achète un yacht. Une vidéo pour les coups francs. Bah, je te montrerai tout à l'heure comment... Mais tu sais que les coups francs, les gars, c'est trop facile, hein.
Il faut juste mettre... T'as vu, t'as le tir rasant. En fait, tu tires de l'extérieur. Et tu te mets tout à gauche ou tout à droite. Et dès que tu commences à être à tir rasant, tu te mets juste en dessous à tir brossé. Et ensuite, tu mets quasiment à fond de puissance, mais pas à fond. Faut pas que tu sois à fond, sinon ça part dans le ciel. Et faut que tu sois au-dessus de la troisième barre. Si tu fais ça, en général, ça part dedans. Ou alors, ça part sur la barre ou pas loin à côté, genre. Ça dépend. Merci, gamer. Ça dépend des tireurs aussi. Hein. Moi, je sais qu'en ultimate, avec Matthäus, en général, ça part souvent dedans. Si je mets quelqu'un d'autre que Matthäus, en général, ça part dans le ciel. Donc, je sais pas. Faut s'entraîner, frérot. Tu vas en... En vrai, tu vas en... Tu peux faire en... Il y a plus arène comme à l'ancienne. Ouais, les gars, attendez, parce que là, je vais vous débloquer un souvenir. Je sais pas si ça existe encore, ça. Vous savez, à l'ancienne, sur FIFA, t'avais un lobby où tu pouvais t'amuser, faire des coups francs, des dribbles et tout. Ça existe encore, ça? C'était sur quel FIFA, ça, les gars? C'était il y a longtemps, je crois. Je crois que c'était genre sur FIFA 12 ou 14. 10? Ah, c'était sur le 10! Oh, putain. C'était il y a 13 ans. Oh, ça rajeunit pas, hein. Je sais plus si c'était sur FIFA 20 ou FIFA 98. Il y avait un mode futsal, les gars. Pourquoi, genre, avant les années 2000, il y avait un mode futsal? Et ouais, si maintenant il y a le mode Volta. Ouais, j'avoue, maintenant il y a le mode Volta. Mais les gars, futsal, c'était mieux, putain. T'as connu Jaja? Oh, wow. Oh, elle était trop belle! Faut concrétiser. Oh! Wow, comment il l'a prise? Il y a futsal. Arrête. Genre t'es en salle et tout, 55. Je savais même pas. Volta, je savais. Mais genre ça joue en mode normal ou c'est un peu style FIFA Street, les mecs ils font des dribbles de fou furieux et c'est même plus du foot genre. Ouais, en mode c'est du futsal quoi. Putain, vous avez déjà vu, je sais plus comment il s'appelle. Un mec qui fait du futsal. Oh, ouais, il rentre de ses dingueries. Wow! Attendez, faut que je me concentre. Ouais, mais bouge pas, me prends, mais t'inquiète, ça va te faire enculer! Merde! Les contrôles, on va faire l'expérience. Contrôle. Ouais, merci. Merci, on a fait l'expérience. Ouais, j'arrose là. Soit ça passe, soit ça casse. Est-ce que je tente la musique? Merde, pas assez fort. Ah, c'est dans ces moments-là que j'aurais aimé être un droitier, hein, putain. Crossplay Club Pro, non. Non, non, il n'y a pas des aides. C'est pour ça qu'on n'en fait pas, d'ailleurs. On est bloqué par rapport à ça. Normalement, EA avait dit que durant l'année, ce serait dispo. Donc, écoute, prions pour cet été, quoi. Elle est belle. Oh, mais le goal, frérot, qu'est-ce qu'il y a? Il joue le ballon d'or ou c'est comment, là? Putain. Encore, encore, encore. Remets, 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 remets. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Allez, remets. Ouais, frérot, je t'ai averti. Ouais, c'est avant qu'il fallait la mettre. T'es un amour des aides. Bon, alors, attendez, on va faire une petite pause. Parce que en général, t'as vu, quand il y a des gros connards sur Internet... On prend le temps de parler avec eux. Wesh! Première fois de ma vie que ça m'arrive. Le mec, il a lâché, c'était première fois sur le chat. Je lui réponds, il répond, ah ok, je te remercie. Et il lâche un prime. Ouais, mais merci mon ref. Moi, c'est quel genre de gentillesse ça? Tu as pris le temps de me répondre. Ah bah frérot, je t'ai répondu deux fois. Hein. Vas-y. Allez, on attend. Merci M4 du Brésil. Attends, il est trop gentil lui. J'ai jamais vu ça. Les gars, on va faire des petites pauses plus souvent. On va prendre le temps de répondre au chat là. Si t'as des potes qui sont... Merci Kirit. Qu'est-ce qui se passe les gars là? Eh vas-y, on fait une tombola. Eh, je suis choqué de la gentillesse du type. Tu mérites un sub, un VIP. Allez hop. Comme ça on va faire des jaloux sur le chat. Un chien le chat. De con. Vous avez qu'à être gentil comme lui, vous voyez. Faut être gentil dans la vie. Joue. Kiki, je suis désolé, hein, mais je dois toucher le ballon d'or. Voilà, frérot!
qui les tchèques, qu'est-ce qu'il y a? Oh, en plus j'avais pas fait gaffe, mais on est au Vélodrome. C'est pour ça que j'arrive pas trop bien à jouer, les gars. Il y a des sentiments qui sont là, là je tremble, j'étais pas dans mon match. Trop de souvenirs. Au moins on a ramené la victoire, c'est bien, on a ramené les points. Mais putain les gars, en équipe de France, je vous promets, c'est compliqué. Hein. Gusto, il a 7 et Tchouaméni, il a 7. Sinon tout le reste, ils sont à 6, wesh. Oh, Mbappé, il s'est fait sortir. Après, pour la défense d'Mbappé, en vrai, allez. J'avoue, c'est un petit peu ma faute, hein, Didier. J'avoue, je lâche pas trop ma balle, mais... Les gars, c'est comme ça, hein. Je suis le GOAT. Voilà, c'est mon trophée. Eh, les gars, j'ai l'impression, mon Gugus, il est comme Lionel Messi. Un vrai tyran. Vous savez qu'en vrai, de vrai, Messi, apparemment, c'est un tyran de zinzin. À Barcelone, il y a des joueurs... Après, tu sais, ce qu'on peut lui reprocher, c'est le GOAT, hein, frérot. Hein. Moi, je vois Messi, frérot, je lui fais des bisous sur les pieds, c'est normal. Hein. Avec la carrière qu'il a eue et tout, on lui doit le respect. Il a raison, il le mérite. Alors, après, tu peux quand même respecter les humains, Timéo. Hein. T'es pas obligé d'être un connard. Hein. Et Messi, apparemment, tu sais, il cache bien son jeu. Hein. Mais dans les vestiaires, apparemment, ouais, c'est un tyran. Après, ce qu'on peut lui reprocher, c'est vrai. Si ça reste dans le cadre du foot, moi, je trouve qu'on peut pas lui reprocher, c'est un tyran. CR7 le GOAT, oh, ça y est, vous, oh là là. Vous avez pas marre avec ce débat? Déjà, il n'y a même pas de comparaison. D'un côté, t'as un mec qui charbonne comme un gros porc. Et du coup, comme on dit, le travail, ça paye. Et de l'autre, frérot, t'as un mec, il est en détente, tranquille, pépère, il essaie juste le talent, frère. Il prend la balle. Et il s'amuse! C'est bon, fin du débat? Voilà, je vous ai montré Lionel. Tu vois, Lionel, il court pas, frérot, il prend la balle et il s'amuse. Merci, merci beaucoup. Par contre, calme-toi quand même. Hein. T'as pris la carte à la daronne ou c'est comment? Eh, tous ceux là qui disaient ouais, Swain, je t'aime. Excuse-moi, je suis petit, j'ai pas d'argent pour te sub et tout. Tous ceux qui disaient ça il y a 5 ans là. Maintenant que vous avez 18 là. Ou peut-être plus. Attendez, 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 tranquille, on parle 2 secondes. Non, c'est pas hashtag rat. C'est juste, je prends des nouvelles, les gars, ça a été il y a 4 ans. Moi, j'ai 14. Ok, ok. Tous ceux qui ont moins de 18 ans, ne vous sentez pas concernés. Tous ceux qui ont plus de 16 ans et qui bossent, sentez-vous bien concernés. Et dans 10 ans, je vais être un gros con, moi, sur Internet, hein, je vous le dis. Hein. Quand vous allez tous avoir 20 ans, les gars, vous serez daron et tout, avec du boulot, là, je vais vous raqueter des subs. Là, je vais vous raqueter à tir narigo. Hein. Là, je suis encore calme, encore, ça va tranquille. Vous avez le temps de grandir. Mais mettez bien de côté, hein. Les gars, dans 2 ans, hein, moi j'ai 30 ans. Hein. Boum! Dans 2 ans, les gars, j'espère que vous allez me régaler, hein. 30 ans, ça se fête, hein. Donc j'espère qu'on va faire plein de packs opening, frérot. Je vais faire 10 000 euros de pack. 10 000 euros de pack, frérot! Oui! Les gars, rendez-vous dans 2 ans. C'est bon, on n'en parle plus. Plus jamais j'ouvre ma gueule sur les subs. Vous m'entendrez plus jamais dire, les gars, ne pensez au... Si, pensez au prime, ça je le dirai un petit peu. Mais plus jamais vous m'entendez vous racketter. Par contre, rendez-vous dans 2 ans. Eh, c'est bon ce match, il m'a saoulé, je sors. Ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas ce match. Y'a pas d'adversaire en face, ça joue pas. Sors-moi, coach. Je prends ma houla et ça dégage. Voilà, tranquille. J'ai des petites douleurs à la cheville, les gars. Tu devais faire si tard. Ah, je vais si tard. Oh putain, oui, c'est vrai. Ah bah voilà, pas le karma. Je l'ai fait prochain match. Ah, bah pas le prochain du coup. Ce sera celui d'après. Voilà, impeccable. Ce sera contre City, les si tard. C'est bon? Impeccable.